Objectif pour le club, creuser l'écart avant le déplacement des Lomé pour le match retour. Le match commence par une descente des rouges, des dynamiques togolais dans le camp de le club. Un premier centre qui n'ira pas jusqu'à l'objectif. Ensuite, le centre de Lema côté le club est repris de belles manières, suivi d'une intervention du portier togolais. Servi à la 7e minute sur cette ouverture, Etekiama, suivi par deux défenseurs réussis à contrôler, éloge le ballon au fond du filet. Le club de la 7e minute ouvre le score au stade de Martyr. Ah oui, ballon de Lema, mais à la 7e minute de jeu, l'équipe de la SV Club ouvre le score. Ensuite, une incursion dans la surface. Le club qui cherche le deuxième but. L'attaquant est déstabilisé, le pénalty est sifflé. Voilà, ça c'est Mumbele Rangers. Je pense que c'est le pénalty. Du pied gauche, Etekiama, encore une fois, permet à le club de mener 2-0. Le vert et noir à la maison menace de nouveau le gardien togolais à la deuxième période. Des occasions se multiplient. Le club tente. En face, le ballon est renvoyé. Dans la continuité, encore une opportunité qui est sauvée par le gardien togolais. Entrée en remplacement de Ngudi Kiama, Louvu Munzinga trouvera gain de cause pour le club. Et Bunga réussit à s'infiltrer. Son premier centre est renvoyé. Ensuite, Louvu Munzinga qui traînait dans la surface met les ballons au fond du filet. 3-0, le club l'emporte face à la dynamique du Togo. Renvoyé par les gardiens et voilà les jeunes Louvumbu qui venaient de rentrer à la place des Ngudi Kiama qui marquent.